Voilà, nous sommes à Triggerfinger. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors Oui. déjà, on a perdu le bassiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Paul, il devait retourner à la maison pour des raisons de his health, Oh, santé. santé, la santé, voilà. Doctor's orders. Yeah. Et heureusement, on a un couteau de Suisse, a Swiss knife, C'est ça. plus, in the form of Monsieur Jeffrey Burton. Voilà, parce qu'il s'est mis tout loin, donc c'est pour ça qu'il aurait pu venir avec nous, hein, c'est pas grave. Non, non, je veux pas, je veux Il a pas. une très forte voix. Voilà, on va l'entendre de loin. Deux temps l'interview, on va parler un peu 2018, la rétrospective de l'année. Pour vous, ça a été quoi les moments les plus importants de cette année 2018? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Une scène, un événement, un truc qui... Premièrement, c'est aussi le tour du le dernier album, Colossus. Nous sommes très heureux avec cet album, avec des nouvelles chansons. Tout le temps qu'on a des nouvelles chansons, même les autres chansons, ils changent un petit peu dans le set. Et ça, c'est bien ça. Mais en même temps, on a aussi un anniversaire de 20 ans Voilà, à la fin de ça va être l'année. 2019, ça. Oui, c'est une. It's a full year. Il y a plein de choses, voilà, pour être heureux et de fêter. Alors, retirez-moi un truc dans la tête. Le titre Colossus de l'album, c'est deux guitares basses. Pourquoi? Pour une meilleure Parce que pêche, ça, ça More is marche. more. Oui. Il y a en fait quatre chansons avec deux basses dans l'album. Et c'est commencé avec Colossus, avec le riff. Et quand on est en train de. When I was writing the song, instead of just doubling with the guitar, I thought, why not just do it with two basses? Au lieu de doubler avec la guitare, je me suis dit pourquoi pas mettre deux basses. Ben voilà. Mais avec un son assez différent, pas. J'ai joué la basse avec mes amplis et mes pédales de guitare. C'est pas un son assez normal, bah, non, le son de basse dans notre petit groupe. Il rigole le bassiste. Et on fait pas Mais moi normal. je suis pas le bassiste. Mais bon, Oui, mais les bassistes quand même. Bah, c'est quand même. Mais ouais, dans une quand tu joues pas des accords dans la guitare. Avec la basse, ce sont des mélodies un peu plus et ça donne de l'espace. Et c'est cool, voilà, de jouer avec des mélodies de basse, des grooves de basse, opposed to each other. Super. Oui, c'est quelque chose de différent. Oui, Oui, voilà, voilà, c'était. on travaille. De nouveau, on a fait des chansons avec des riffs. Mais dans une manière différente. L'album Colossus, la pochette, ça vient d'où cette idée assez barrée, assez folle? C'est notre ami allez, zeg het eens, onze vriend van het ontwerp van de plaat. Victor, De Victor Robin. Robin. Oui. C'est Victor Robin qui a fait la poche et aussi la tête là, Oui. Ouais. il a le structure, il a, il a sculpture. sculpture, voilà, il a Sculpture, sculpté Ah, c'est pas, oui, parce d'accord. on avait différentes idées. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec le titre Colossus? Tu peux faire plusieurs choses et le challenge, comment Le challenge. le challenge, voilà, était de peut-être trouver une tête qui pouvait être le Colossus. Et c'est une multi-tête. Un peu, c'est aussi, ça peut être un montagne aussi, mais c'est une tête, et voilà. Quelque chose, il y a des vraies dents Non, merci. C'est pour vous. humaines dans, dedans. Et il a sculpté, il a fait des photos, et voilà, comme ça, il a utilisé le Photoshop, et comme ça, il a créé
Donc la statue existe en fait, la sculpture existe. Pas encore, parce que c'était une combinaison de sculpture et photo. Et maintenant c'est. Mais c'est cool, hein. Voilà. Ah ouais, oui, après, l'image c'était super. Super. On était très heureux. Cette fois-ci, on va partir en 2019, donc vous en parliez justement, le 20e anniversaire. Donc là, vous sortez déjà un coffret qui est en pré-vente actuellement avec CD, vinyle. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce superbe coffret pour les 20 ans Pauvre de box. Bah, c'est on veut bien célébrer l'aspect de la 20e anniversaire. Et on a mis un best-of album, les 20 best titres. Chansons, titres de le groupe. Ouais. On a un nouveau live album dedans, avec des chansons du concert à Forêt Nationale qu'on a fait, du Buckle Pop, de Rancourt-Terre. Et on a de nouveau enregistré quelques chansons parce que quand Colossus a sorti l'album, on a fait quelques petits concerts dans les radios et dans les sessions petits pour faire des promos. Ouais. Mais on ne voulait pas justement de nouveau jouer des instruments acoustiques. Et on a mis des preamps de. On pouvait justement directement brancher le câble directement, pas d'emparreur, juste petit pétale et voilà. Ouais. Et ça donne une son très direct, ouais, très gratté. Et on aimait vraiment les sessions. Voilà. Le son était complètement assez différent de qu'on a fait avec l'album et les chansons live. Et parce qu'on aimait ça, peut-être qu'on peut enregistrer quelques chansons comme ça et voilà, mettez sur le box aussi pour... voilà, parce qu'on voulait nous amuser avec la musique et enregistrer comme tout le temps en fait. Il faut s'amuser. Oui, on essaie. On essaie. Également des photos, j'ai vu un portfolio. C'est des photos que vous avez choisies ou c'est quelqu'un qui vous a suivi? Oui, on a choisi un peu. Il y a plusieurs photos, il y a des dizaines de mille de photos. C'est ridicule en fait. Mais on a mis une petite sélection. Aussi des photos qu'on a pris. Des photos il y a des super photographes qui ont participé avec ce projet. C'est un petit livre, 60 pages. Il y a un petit. Petite histoire du groupe, un petit bio. Donc là, c'était un coffret qui est en pré-vente actuellement, c'est-à-dire qu'on peut le précommander et il sort au mois de février, je crois, si pour le truc officiel. Oui. When it comes to New Berat. Oui, je pense que c'est ça, 1er février. Oui, c'est le 1er février, c'est possible. Ouais. Aussi, avec on fait un petit Radio 1 session en Belgique avec des amis qu'on va inviter, des autres groupes. Et on fait des concerts anniversaires de Roma à Anvers, mais ils sont déjà... Oui, j'ai vu, les quatre sont déjà complets. C'est formidable pour vous, ça. C'est fantastique. Et puis j'ai vu le Denatelier aussi, au Luxembourg aussi, qui va être passé. Et vous allez faire un enregistrement du 20e anniversaire pour un album, peut-être, 20e anniversaire du concert. Peut-être. Ouais, on a la possibilité de enregistrer des concerts. Ben, on va voir après ce qu'on va faire. Ce qui vous manque un petit peu maintenant, c'est le visuel, un Blu-ray, un concert live visuel. Mais les gens, ils doivent... Oui, mais ils viennent, mais après, ils peuvent venir à des concerts, c'est simple. Hein, voilà. Vous n'êtes pas pour une captation pour les 20 ans, non? Peut-être. Peut-être, ouais. Un projet. Mais... Donc là, je pense que après Colossus, le prochain album, c'est encore un peu plus tard. Je pense que le temps de finir le coffret. Parce que d'habitude, vous les sortez tous les 2 ans à peu près. Hein.
Oui. Deux ans et demi, mais là, avec le 20e anniversaire, je pense qu'on va prendre son temps. Voilà, et il y a quelque chose qu'on va faire aussi individuellement. Oui, j'allais dire, vous avez peut-être des projets personnels aussi à développer, non? Il y a quelque chose, Mario est en train de faire quelque chose, moi je suis en fait, bah, Paul, il est toujours au milieu de quelque chose d'autre. Bah, voilà, vous avez une vie. C'est bien comme ça, c'est vrai. Ouais, vous avez une vie musicale en dehors du groupe. Voilà. Quoi. Mais c'est ce qu'il faut pour rapporter des choses au groupe, peut-être après, des idées que vous avez eues. La batterie, la grosse caisse, c'est toi qui l'as décorée? Parce que je vois le super look là. C'est la femme de Jeffrey. Elle a aussi fait le backdrop. Ah, d'accord. Tu peux voir, ce soir, c'est incroyable, c'est super. C'est pour moi, c'est ma femme. Donc là, sur la batterie, c'est toi en fait qui est reproduit. Non. The Jan de from the Backbox Revelation. Il did some La grande question. Oui, mais c'est toi qui es dessus, le dessin. Ah, Abdou Tachar, c'est un tekening. Ah, non, Jeffrey. Il était à la maison avec. Stan. Bah écoutez, moi, c'est. Bah, on a fait le tour un petit peu de l'aventure. Je pense qu'on va se suivre pour ce 20e anniversaire, voir un petit peu comment ça va. Si vous repassez nous voir en secteur, ou nous qui allons vous embêter quelque part. Voilà, super. Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous. Bon rétablissement à votre ami bassiste. Merci. Ciao.